après les frères Domenech, les frères Banguillot, Gardon et Rambert. Vous êtes les cinquièmes frères à porter ensemble dans l'histoire, les mecs. Dans l'histoire, c'est beau ça. Dans le musée, il y aura une petite place pour vous deux, je pense. Ah ouais, j'espère. Mais comment vous avez vécu ce moment? Il y avait le papa qui était là aussi, j'imagine. Ouais, il y avait de la famille aussi qui était là. Non, c'est un moment inoubliable. C'est voilà, moi, des moments comme ça, comme je vous dis, c'est inoubliable et ça fait toujours plaisir d'en avoir. Maintenant, j'espère que c'est que le début et qu'il y en aura encore d'autres. Qui l'attendait le plus? Parce que forcément, une première en Ligue 1, j'imagine, Yacine, que tu devais l'attendre impatiemment, mais on a le sentiment que le grand frère aussi, il avait envie de jouer avec toi un peu. C'est normal, voilà, c'est toujours une grande fierté de pouvoir jouer avec son petit frère et en plus de pouvoir s'entendre sur le terrain. Mais non, je pense que celui qui s'y attendait... Qui l'attendait le plus? Le plus, c'était le papa, je crois. C'est le papa. Mohamed, qu'on salue. Il était content. Ouais, il devait être content. Yacine, comment t'as vécu ça aussi, toi? Quand on te l'annonce, quand Bruno te dit que tu vas rentrer, voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. T'as pensé à quoi? Ouais, tu t'en rappelles plus? J'ai beaucoup d'émotions. Mais ça fait plaisir de rentrer avec son grand frère. Ouais. Jouer avec son grand frère.